parti, le dernier message de Jésus aux disciples. Et nous sommes dans les derniers temps. Il répand son esprit sur toute chair. Tout le monde maintenant peut glorifier, prêcher l'évangile. Marc 16, verset 15 à 20. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. 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 Est-ce que Jésus a dit à ses disciples, va et dis-leur vraiment, et que voilà, je leur donne une voiture, je leur donne une villa, je leur donne. Est-ce que c'est ce qu'il a dit à ses disciples? C'est parce qu'il a dit, il dit, allez-y, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui accepte est baptisé sera sauvé. Celui qui accepte l'évangile, celui qui accepte Jésus. En gros, c'est pour présenter Jésus à l'humanité. Qu'il a envoyé ses disciples. Alors il y a des gens qui disent, c'était le passé. Mais qu'est-ce qu'il a dit vers la fin? Il dit, allez-y, voilà le miracle avant de parler du passé. Il dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru en moi, à lui son nom. Est-ce qu'il nous a dit d'aller toucher les fétiches? Non. Est-ce qu'il a dit d'aller toucher les fétiches pour avoir le pouvoir? Non, il a dit simplement, vous imposerez les mains aux malades, vous chasserez les démons, c'est la délivrance. Amen. Depuis que je suis né, je n'ai jamais fréquenté un marabout. Mais j'impose la main aux gens et Dieu se glorifie. Et il y a les délivrances qui s'opèrent. Amen. Je prie pour quelqu'un et il opère son miracle. Amen. Et pourquoi Jésus accompagne ses disciples avec les miracles? C'est pour éviter les gens d'aller toucher à des choses qui ne glorifient pas son nom. Amen. Alors aujourd'hui, comme les gens n'ont pas, ils ne croient pas en Jésus, ils se sont tous, tout le monde s'élève, tout le monde est serviteur de Dieu, et il n'y a aucun miracle qui les accompagne. Alors ils sont obligés d'aller faire des fétiches, de croire des marabouts, de signer le pacte avec le diable, avec la sirène, pour avoir le pouvoir, pour imposer la main aux gens, pour que la puissance de divinité se manifeste dans la vie des gens. Et au lieu de délivrer, on impose encore d'autres esprits aux gens. Et le monde n'est pas sauvé. Et le monde n'est pas sauvé. Amen. Amen. Le monde n'est pas sauvé. Voilà le miracle. J'en ai plein de témoignages. Plein de témoignages. Je n'ai jamais touché un fétiche. Il m'a appelé. Il m'a sorti dans la drogue. Il dit, va annoncer. Mais qu'est-ce que les hommes voient? Ils regardent ton image. Ils regardent les habitudes. Et puis ils ne sont pas sauvés. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Qu'est-ce que de bon pouvait sortir à Nazareth? Qu'est-ce que Eliane peut nous faire de bon? Ce n'est pas les miracles qui sauvent. Jésus a opéré beaucoup de miracles. Les gens, ils le savent. Mais ils ont abandonné Jésus-Christ. Mais il faut que tu sois réellement dans son camp. Il faut que tu sois réellement dans le camp de Jésus-Christ. Il ne faut pas être dans le camp de Jésus quand ça t'arrange. Et quand ça ne t'arrange pas, tu dois fuir. Il faut que tu fasses réellement ton choix. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant. Je ne suis pas en train de donner l'ordre. C'est ce que j'ai reçu cette nuit. Parce que Jésus est déjà là. C'est urgent. Sa présence est très imminente. Jésus est présent déjà. Je fais ma part. Jésus est déjà présent. Mettons-nous droit. Mettons-nous droit. Jésus est déjà présent. Je le répète et je le ressens.
Jésus est déjà présent. Oublions nos soucis. Cherchons Jésus. Cherchons Jésus. De tout notre cœur. De la manière dont tu cherches l'argent. Cherche Jésus comme ça. C'est urgent. C'est urgent. C'est urgent. Mes soeurs, mes frères, serviteurs, servantes, c'est urgent. Je ne suis pas à temps de séduire quelqu'un. Je suis à temps de trembler même encore. J'ai les larmes aux yeux. Amen. Amen. Dis, allez-y. Voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru en moi. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades guériront. Ils chasseront des démons et les démons s'enfuiront. Ils peuvent même boire les poisons et puis ça ne leur fera rien. Ils peuvent même saisir le serpent, peut le mordre et puis ça ne leur fera rien. On a mis la puissance de Dieu de côté parce qu'on ne veut pas croire. On trouve que c'est trop compliqué. Quand les chrétiens sont éprouvés, ils abandonnent la main de Dieu. Même les serviteurs de Dieu. Il arrive un moment, Dieu nous parle. Dieu nous parle. On insiste dans les péchés. Il nous parle. Arrive un certain moment, il te laisse tomber. Alors paye le prix et réponds-toi. Paye le prix et réponds-toi. Et il va te répondre. Il te remet encore l'onction et tu te relèves et puis tu continues. Si tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu que tu es tombé, réponds-toi et le Seigneur va te révéler. Il va te relever. Parce que le chemin est déjà, le temps est déjà arrivé. Il nous a appelés pour faire le monde ses disciples. Pas pour aller faire l'argent des disciples. Pas pour aller chercher l'argent. Pas pour aller chercher notre bien personnel. Toi qui es appelé, ce message t'est adressé. Toi qui es appelé et tu sais que Dieu t'a choisi. Il t'a appelé. Ce message t'est adressé ce matin. Ce message t'est adressé ce matin. Je fais ma part. Tu ne diras pas que je n'étais pas au courant. Tu ne diras pas quand l'heure sera venue. Tu ne diras pas que moi je ne savais pas. Mais tu le sais à partir d'aujourd'hui. Jésus est à la porte déjà. Il est déjà là. Il est déjà là. Il est déjà là. Et qu'est-ce que nous devons faire? C'est de chercher plus de monde en lui. Mais si nous-mêmes, on n'est pas converti, on n'est pas convaincu qu'il est puissant, on ne peut pas évangéliser, on ne peut rien faire. Plus que toi-même, tu ne crois pas. Personne ne croit. Beaucoup de gens ont abandonné Jésus pour leur propre bien personnel. Personne n'a le temps pour prier pour quelqu'un. Pour prendre le temps, pour écouter Jésus. Personne ne prend le temps avec lui. Mais tout le monde a le temps de penser à ses soucis. Tout le monde, même les serviteurs, même les servantes, même moi-même, il a eu un temps aussi. J'ai été comme ça. Mais je vous assure, ce que j'ai vu cette nuit, même si je dors dehors, ça ne me dira rien du tout. Ce que Dieu m'a révélé cette nuit, même si je n'ai pas mangé, je peux dormir dans le métro. Ça ne me dira rien maintenant. Amen. Et il y a longtemps, il me révèle ce genre de choses. Et il persiste. Pourquoi il le fait? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Amen. Alors je dis, il nous aime. Tu es dedans. Alors tu dis pas amen. Amen. Parce qu'il t'aime, il nous aime. C'est pourquoi il nous parle. Il insiste. Parce qu'il veut nous voir à la droite de son Père au paradis. Il ne veut pas que le paradis soit vide. Il ne veut pas que le paradis soit vide. Il veut que nous allions tous au paradis. Satan aussi va envoyer un groupe du monde aussi au paradis. Donc là, il y a un tiraillement qui attend de se faire. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Jésus est mort à la croix. Il a souffert, il a payé le prix. Est-ce qu'il ne mérite pas qu'on le suive? Il ne mérite pas? Est-ce qu'il ne mérite pas? Alors s'il mérite, acclame le Seigneur.
je veux te faire prendre conscience, enfant de Dieu. Assez les amusements, assez la distraction. Tu dois savoir qui tu es et prends la parole de ton Père au sérieux. Tu sais que tu es appelé, mais tu as envie d'encore t'amuser. Tu as envie encore des choses. Tu sais, Dieu se révèle à toi à travers ses serviteurs, ses servantes. Tu te parles, mais tu as envie de t'amuser. Mais c'est un piège pour toi. C'est un piège pour que quand Jésus vient, que toi tu ne parles pas aussi. Pendant que tu es avec tes amis en train de boire, en train de faire la fête, en train de faire le show, mais tu resteras. Tu resteras. Alléluia. Tu resteras. Tu vas me dire que c'est parce que tu ne vois pas. Tu n'es pas obligé de voir. Tu n'es pas obligé de voir comme moi. Il m'a fait la grâce de voir. C'est un don. C'est une grâce de voir et d'annoncer. Il y a des choses que j'annonce et il y a des choses que je garde. Mais ça, il m'a demandé d'annoncer. Parce que tu veux la délivrance. Tu veux la délivrance de ces démons. Mais après la délivrance, tu fais quoi? Tu cherches quoi? Nous cherchons quoi? Nous voulons quoi? Seigneur, je vais te servir. Mais en même temps, je veux avoir ce que ma chair désire. Mais il y a un problème. Tu l'as choisi comme ton maître, ton Dieu. Maintenant, ce n'est plus ta volonté qui compte. C'est lui sa volonté dans ta vie qui compte. C'est lui sa volonté dans ta vie qui compte. Toi, tu n'as plus de décision. Seulement, tu dois te lui dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Qu'est-ce que je fais pour toi? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Mais il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui pose la question à Jésus dans ce sens. On est toujours là, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Donc, si nous tous, on demande, qui va se disposer pour lui? Amen. Qui? Il n'y a personne? Mais voilà pourquoi les chrétiens n'ont rien. Voilà pourquoi ils ne nous donnent rien. Voilà pourquoi d'autres sont obligés d'aller toucher les marabouts pour avoir la puissance. Parce que Dieu ne les répond plus. Dieu ne nous répond plus. À cause de notre bien propre, bien personnel. À cause de notre égoïsme. Nous sommes égoïstes et méchants. Même envers Dieu. Qu'est-ce que nous cherchons? Mais tu vas finir de vivre tout ce que tu veux sur la terre. Tu vas mourir. Mais qui va t'accueillir? Qui? Qui va t'accueillir? On va se retrouver où là? Et nous tous, nous savons que nous allons mourir un jour. Mais qui? Tu vas où? Tu vas où? On va où? C'est dès maintenant. Il faut faire son choix. Apocalypse 14, verset 14. Amen. Tu t'arrêtes au verset combien? 19, verset 20. Amen. Réponds au début. Au premier verset, j'ai vu un grand ange. Vas-y. Verset 14.
Ouais. Alors je vis une nuée blanche sur laquelle siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Mm-hmm. Il avait sur la tête une couronne d'or et tenait la tête en main une faucille bien tranchante. Puis un ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui siégeait sur la lune. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure est venue de moissonner et la moisson est et la moisson de la terre est mieux. Amen. Amen. Lui Jésus, il est déjà là. La moisson c'est qui? La moisson c'est qui? C'est nous. Amen. 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 Alors voilà ce message-là. Quand j'ai lu ça ce matin, ça m'a fait trembler. La moisson. Moisson. La moisson est déjà mûre. Ce qu'il a semé est déjà mûr. Alors il va venir chercher. C'est qui? C'est toi et moi. Mais est-ce que nous sommes prêts? Voilà ce qui fait peur. Est-ce que nous sommes prêts? Et il va venir avec cette flèche. Il va venir avec sa flèche qui est bien aiguisée. Bien limé, comme on dit chez nous, terre à terre. Bien limé. Alors, si tu n'es pas prêt, ça va te faire quoi? Ça va te faire quoi? Ça va te trancher. Ça va te trancher. Tu ne le sens pas prêt. Ça va nous trancher. Alors, tu as choisi la bonne part d'être en Christ, de souffrir pour lui. Continue, un peu de temps, dans peu de temps, on verra sa gloire. Il est déjà là. Il est déjà là. Et cette moisson-là aussi, ça représente aussi, toi aussi, ce que tu as semé aussi, ce que tu attends aussi, depuis aussi de lui. Amen. Ça représente ce que toi aussi tu attends de lui. Alors pendant que ta bénédiction arrive, tu es dans quoi? Pendant qu'on dit, le Fils de Dieu arrive, il est déjà là, et il est venu avec, son épée. Oui, c'est l'épée. Il est déjà là avec ça. Donc lui, il va sonder la vie de chacun. Il va sonder le cœur de chacun. Il va sonder dans quoi nous sommes. Il va regarder. On vient remplir les églises. Seigneur Jésus, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Beaucoup de pasteurs, on est beaucoup. Tout le monde. Mais on ne sait pas qui est qui. Mais lui seul, il sait qui est qui. Amen. 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 Lui seul, il sait qui est qui. Donc le Père est déjà là. Le Père est déjà là. Jésus est déjà là. Jésus est déjà là avec son épée. Donc on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Ne regarde pas ce que tu traverses. Ne regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas ta situation. Il dit les raisins sont déjà mûrs. Les raisins sont déjà mûrs. La bénédiction est déjà là. Jésus est déjà là pour nous. Et s'il est déjà là, nous allons sentir des choses. Nous allons commencer à sentir des choses merveilleuses. Nous allons commencer à sentir sa gloire. Amen. 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 Alors attachons-nous à sa parole. Attachons-nous. Soyons vrais avec Jésus-Christ. Soyons sincères avec Jésus-Christ. Ne regarde pas ma personne. Ne regarde pas mes défauts. Ne regarde pas mes caractères. Mais regarde à la parole que je t'annonce. Et s'il a permis que tu sois là avec moi, c'est parce que nous allons travailler ensemble. Jésus n'est pas un dictateur. Il force personne. Mais il faut que toi-même tu réalises que s'il t'a appelé, c'est une grâce. Donc tu prends ça au sérieux. Tu prends ta vie spirituelle au sérieux. C'est pas parce que
je vais rire avec toi, je vais te montrer les dents. Et que tu vas croire que ce que j'ai dit, c'est du blabla. Non. Ça fait peur. Ça fait peur. Moi, ça m'a fait prendre conscience encore. De monter encore plus. Amen. On ne trouve plus de puissance dans nos églises. Hier, il y a quelqu'un qui me disait ça. Que les gens viennent avec des demandes dans les églises. Les églises évangéliques sont devenues comme les églises catholiques. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de délivrance, il n'y a rien. Les gens viennent avec leur maladie puis ils retournent. C'est comme si on a dit, Jésus a quitté les églises. Alors que l'église c'est qui? Ce sont ses disciples d'abord. Mais il a dit quoi? Dans le livre de Marc 16. Il dit, si tu crois, voilà le miracle qui va t'accompagner. Si moi je crois que je suis sa servante, que je crois en lui, forcément, il n'y a pas de raison que je ne prie pas pour une femme qui n'a pas d'enfant et puis elle ne va pas faire d'enfant. Il n'y a pas de raison. Parce que ce n'est pas moi qui fais. C'est lui, Jésus, sa puissance. Amen. C'est lui qui manifeste sa puissance. Tu vas te tenir debout, nous allons prier.